Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. In this very special video, I did an interview with a lovely French guy, Damien, that I met on my travels here in Spain. And he tells us all about his adventures in London when he was a young professional just out of university and when his English was, in his opinion, almost non-existent. It's an amazing story, and I'm happy that he agreed to share a little bit of it with us today. The first part's going to be in French, second part's going to be in English, so don't hesitate to put the subtitles on screen if you need them. Enjoy the interview. Merci à mon invité Damien, qui est ici aujourd'hui pour nous raconter un peu de son parcours en anglais. Donc, commençons par une petite présentation de toi. Merci Alex, c'est mignon ça. Du coup, qui je suis? J'ai 32 ans, donc je m'appelle Damien, je suis français j'ai vécu 5 ans à Londres à une période de ma vie et depuis j'ai beaucoup voyagé dans des pays anglophones, voilà. Mais c'était pas toujours facile. D'accord, très intriguant. Quel était ton niveau d'anglais quand tu as débarqué au Royaume-Uni, quand tu es arrivé là-bas? Est-ce que tu peux nous parler de ça en termes de tes connaissances dans la langue aussi, ainsi que ta maîtrise de l'oral? Bien sûr, c'est assez facile, hein. C'était à peu près zéro. je pense que j'ai eu un des scores les plus nuls au bac qui existe. Et puis heureusement, après, quand même, j'ai fait un peu d'anglais dans les études supérieures qui m'ont permis d'avoir un niveau suffisant pour baragouiner très rapidement les basiques. Ça m'a permis en fait de décrocher un emploi après mes études à Londres. Mais vraiment, sur une échelle de 1 à 10, c'est du miracle que j'ai été pris, quoi. Mon niveau d'anglais, il devait être à 1 ou 2. Donc je remercie mes employeurs de l'époque qui ont bien accepté de me donner ma chance à Londres. Voilà. Ouais, c'est fascinant et très impressionnant en fait que tu sois accepté à un premier boulot vu ton niveau d'anglais. Bien sûr, c'est ton avis de ton niveau, mais je te trouve quelqu'un de bien objectif. Donc c'est encore plus impressionnant. Comment tu as réussi à avoir ce premier boulot avec un niveau aussi faible? C'est incroyable. C'est aussi beaucoup de chance d'être tombé donc sur cette petite boîte à Londres qui a accepté de me prendre. Et j'ai eu, donc c'était un stage, hein, c'était pour ça aussi. C'était moins un danger, entre guillemets. Et c'était un stage de 6 mois à la base, donc qui finalement s'est transformé en 5 ans. Au début, j'aimais pas trop Londres, c'est assez drôle que je sois resté aussi longtemps au final. J'ai fini par adorer cette ville. Donc je me souviens, j'étais dans la petite chambre en banlieue parisienne. Franchement, moi, je pensais que l'interview s'était très mal passé. Enfin, j'arrivais pas à aligner deux mots, comme t'imagines, comme toutes les interviews de base. Mais à la fin, ils m'ont dit ce truc. Ok, on va essayer. ça m'a permis d'aller à Londres. Et heureusement pour moi, j'étais avec une amie là-bas qui bossait dans la même boîte, qui on a été pris en même temps pour le même stage de fin d'études. Elle parlait très bien anglais. Et du coup, grâce à elle, j'ai pu m'en sortir parce qu'elle m'a vachement aidé au début. Elle me traduisait les meetings, etc. Elle m'a vraiment beaucoup aidé à m'en sortir. Et puis aussi les Anglais quand même, en tout cas les Anglais de Londres que je connais, ils sont patients. C'est quand même incroyable cette patience qu'ils ont avec les étrangers. Donc là aussi, beaucoup de chance de ce côté-là. Oh, c'est sympa, ouais. On voit que tu es vraiment reconnaissant. De ton entourage que tu as eu à Londres. Tu te crois très chanceux. Ah oui. Ouais. C'est très beau comme histoire. Et donc pour toi, tu as dû passer par cette interview qui finalement s'est pas très mal passé comme tu avais cru. Ça avait l'air. Et après, ça c'est devenu plus facile grâce en grande partie à cette amie que tu avais dans l'entreprise. Mais elle n'était pas là avec toi pendant l'entretien.
non? Non, non, c'est vrai. On est d'accord. Ouais. Donc, c'est grâce à toi, à ton courage. Ouais, voilà, ça a été la prise de risque. Ouais. C'est vrai. Mais je pense que le fait que tu aies pu réussir cet entretien nous dit qu'en fait, son niveau n'était pas aussi faible que tu le croyais. Donc, est-ce que tu acceptes qu'une partie de ça était dans ta tête? Oui, sûrement. Ouais. C'est vrai que je m'en suis sorti. J'ai quand même compris à peu près ce qu'il voulait dire. Donc déjà, ma compréhension était meilleure que ce que je pensais. Ça, c'est vrai. Et au final, j'ai réussi. Après, j'ai quand même senti qu'ils n'étaient pas non plus 100% sur deux, tu vois. Quand ils ont dit oui, mais comme c'était un stage, etc. Et en même temps, ils étaient adorables. Donc, il n'y avait aucune raison que ça se passe mal. Donc, voilà. Trop bien. Donc, les gens, il ne faut pas avoir un niveau, un super niveau en français pour déclencher un travail, un boulot en France. Donc, mais Damien, il a raison. Si c'est un stage, il y a moins de risques, peut-être, pour l'entreprise. Ouais, souvent, on a peur. On a peur de postuler parce qu'on croit que notre niveau n'est pas suffisant, alors qu'en réalité, il faut tenter, il faut oser. Et tu sais jamais comment ça va se passer. Du coup, tu m'as parlé l'autre jour d'une petite anecdote d'une réunion, je crois, en particulier. Ou est-ce que je me trompe? C'est toutes les réunions. Bon, comme mon niveau était quand même loin d'être suffisant pour le monde du travail, du coup, je faisais tous nos meetings, on était entre 4 et 8. On les faisait donc forcément en anglais. Et heureusement pour moi, dans la plupart, il y avait cette amie française qui était là. Et parce que, en fait, moi, je comprenais rien pendant les meetings. Je hochais de la tête, oui, non. Je disais des yes and no un peu au hasard. Et à la fin, voilà, je savais pas du tout à quoi j'avais dit oui et à quoi j'avais dit non. Et donc, on sortait de la salle de réunion. Et elle m'écrivait des petits mails pour me résumer un peu ce qui s'était dit pendant la réunion en français et me dire, ah voilà, alors là, t'as dit oui à ça, t'as dit non à ça, t'as dit, moi j'étais là, ah mince, j'ai dit oui à ça, bah c'est, ok, c'est parti. Et donc voilà, encore une fois, tout le monde était hyper patient, donc ça c'était génial. Et elle a fait ça peut-être, pendant le premier mois, quoi, même les deux premiers mois, à m'aider, on avait des pauses café où, pareil, elle me débriefait un petit peu au début. Donc, j'exagère peut-être un petit peu, mais quand même, j'avais du mal à comprendre énormément de choses dans la boîte les premières semaines, quoi. Ça, c'est sûr, c'est certain. Je trouve que tu as, à mon avis, tu as totalement, à 100%, assumer cet état d'esprit de fake it till you make it. Vraiment, est-ce que tu serais d'accord avec ça? Ouais, c'est clair. c'était vraiment ça. Et en même temps, ils étaient pas forcément dupes non plus. Mais voilà, ça s'est fait. Tout s'est bien passé au final. Et puis, après, il y a des choses de fake it until you make it qui marchent pas toujours, tu vois. Par exemple, une fois, ils m'ont demandé de faire un thé. Pour l'équipe, tu vois, c'était un peu la coutume. De temps en temps, il y en avait un qui se levait et il faisait le thé pour tout le monde. Il faisait bouillir l'eau demande à un Français de faire un thé à des Anglais. J'ai laissé les sachets de thé dans les tasses pendant 15 minutes. quand je les ai servis, ils m'ont regardé avec le sachet de thé toujours dans la tasse en mode « Ah, merci ». Et ils l'ont pas bu et ils ont fait essayer de le voir. Après, j'ai dû, moi, de dire ça va pas. Et là, ils m'ont dit non, ça va pas, on va t'expliquer. Et ils m'ont expliqué à faire le thé. Donc, des fois, tu peux pas trop le faire, le fake it. Ça marche pas tout. Non, bien sûr, ça marche pas tout le temps. On peut pas toujours s'attendre à des miracles. Mais est-ce que tu t'es souvenu du lait quand même? Au début, dans le thé. C'est l'impression d'être une star. Ouais. Non, au début, je l'avais pas mis. Je savais pas qu'il fallait mettre de lait dans le thé. Enfin, tu sais, moi, j'avais jamais fait ça. Hein. C'était vraiment c'est la découverte. Mais
Ouais, non, c'est cool. Enfin, vraiment, ils étaient d'une patience et d'une gentillesse. J'ai eu énormément de chance de tomber dans cette boîte. Et en même temps, je pense qu'il y a énormément d'entreprises et d'agences qui sont comme ça, qui sont, voilà, qui, ça leur fait plaisir aussi, je pense, justement, d'avoir des étrangers parmi eux, des nouvelles cultures. Et finalement, dans cette partie en français, tu m'as parlé l'autre jour de la, et tu as mentionné, et tu as évoqué un peu tout à l'heure, la bienveillance des gens dans ta vie pendant que tu étais à Londres. Donc, on a, jusqu'ici, on a parlé du côté professionnel, mais tu m'as aussi parlé des gens avec qui tu habitais. Et avec qui, au début, tu t'entendais bien, mais que tu comprenais pas du tout au début, c'était très difficile. Mais finalement, tu as fini par les comprendre grâce à leur volonté de s'adapter. Est-ce que c'est vrai? Ouais, complètement. Oui, c'est vrai, on en a dit des choses, hein. J'avais oublié qu'on avait dit tout ça. Ah ouais. Eh bien, du coup, c'est vrai cette histoire. Du coup, donc, je suis arrivé à Londres et j'ai pris une chambre la moins chère possible à côté de cette agence où je travaillais, et c'était en sous-sol, il y avait des souris, etc. Mais en soi, j'ai eu une super expérience parce qu'on était sept dans cette maison, tous voilà, la vingtaine, un peu étudiants, etc. On s'amusait tout le temps, mais sauf qu'ils étaient tous anglophones. Il y avait voilà, il y avait aucun français, et anglophone, il y avait des Donc il y avait un Mexicain, il y avait un qui était d'origine indienne, après il y avait des Anglais, mais des Anglais de Manchester, de Peterborough, etc. Du coup, enfin, moi j'étais perdu, j'arrivais avec voilà, zéro anglais quasiment, et j'étais au milieu de tous ces accents déjà. Et en fait, au fur et à mesure, bah voilà, au début c'était très très dur. Je disais rien quasiment. Il me demandait comment était ma journée et je répondais yes. Et il devait me prendre pour un débile. Mais au fur et à mesure des semaines, ça allait de mieux en mieux. Et puis voilà, au bout de quelques mois, ça allait complètement et on est devenus très potes à un moment. Ça fait longtemps que je les ai pas vus là, mais j'en garde vraiment des excellents souvenirs. Et voilà, eux, ils m'ont aidé à fond. Enfin, ils ont été hyper patients. J'ai un de mes colocs. À un moment, j'ai cru que je le comprenais de mieux en mieux. Mais non, en fait, un pote à moi m'a dit, non, non, c'est juste qu'il s'est adapté à toi. C'est-à-dire, il venait de Manchester, il avait un accent énorme du Nord. Et il faisait des efforts hein, quand il me parlait, justement, pour moi, pour m'aider, etc. Donc vraiment, ouais, c'était une belle équipe. C'était super, cette époque. Ouais, c'est super de pouvoir avoir de beaux souvenirs de cette période qui a commencé avec une grande difficulté. Et il faut toujours se souvenir que même si c'est dur maintenant, cette période va passer et ça va devenir plus facile. So, in this second part, Damien, I really want to hear about your. What motivated you and gave you the, because in my opinion, a lot of courage to go to London, knowing your level was as low as it was. What made you go then, and why didn't you wait until you maybe could develop your English in France, first of all? Cool. Okay. So let's go. I need to. The other personality. Yeah, it's your personality. Like, and the 1 minute of switching will be needed. But yeah. So I mean, I didn't got the choice actually. You know, I really wanted to learn English, and at the start, I had this opportunity of doing an internship in Europe. I want to learn English. That's the best place probably for me to have a job and learn English. So I went there, even if I at the start, as I said, I didn't really like the city that much. But I think in London you learn to like it, Did you think of or yourself as even to brave love at the it. time? I don't know, it kind of came naturally because I was surrounded by friends as well. So yeah, of course, you know, but as well, I'm so curious, you know, I'm still are. I want to discover new things, and I felt like, yeah, it was a super opportunity for me to go there. So no, it was exciting actually, you know, like a new life, new everything. And luckily for me, I had a friend there that I could, you know, stay at his place when I just arrived. But same, like finding a place when you don't speak English, all this kind of stuff, like going through all the
trouble, you know, opening an account and stuff. Ah, that was phone calls. Ah, phone calls was the worst. Like, the number of time I hang up because I didn't know how to answer or to carry on the conversation or whatever, you know, you call an institution, whatever it is, and you're like, oh, I don't know. I don't know what he's talking about. I don't know what to say. Okay. The only option is just hang out. Mm. So, yeah, it was hard at the start. Phone calls were like, I think, the worst. Yeah, you're right. Oh, I still avoid them sometimes today. I try and force myself, though. And so what would you say then, now like 10 years on, what would you say was the thing that helped you more than anything else? Or maybe there's two or three things, but what helped you more than anything else to improve your English? Switch, like I put everything in English, like phone, laptop, everything I could, I put it in English to force myself. As well, my job helped because I'm a developer, so you need to read everything in English all the time. So that kind of helped as well. And people, for sure, like, in, I mean, as I said, like in London, people are super patient. They are used to foreigners coming to the city as well. So they just, you know, I mean, there is so many foreigners as well, so the accent, the mixity of the accents is already super diverse. And yeah, I think, like, you know, talking with as many people as you can, like, you know, the first few months you cannot have a conversation in bar, then you, and you know, it's by steps, so you struggle, boom, you feel, oh, I can have a normal almost conversation now, talking about my day. And then you struggle, and oh, I can talk in bars now, awesome. And then same, you know, it's like everything, every time, but it's a path and made of, you know, little steps, success steps. But when you reach one, it's amazing, you know, like eventually I dreamt in English, and that was like a, okay, got it. It's good. Still not sure if I've dreamt in French. So I know a lot of people talk about how that's a big milestone for them. And if it doesn't happen, they kind of worry. But in everyone's different. And yeah, the more immersed, I think, the more likely that is to happen. Did you have any like insecurities about your language skills, which then in reality didn't matter in terms of, you know, being comfortable in English? Yeah, I mean, you think at the start you need to have like a perfect English and everything, you know, but no, you don't. I mean, it's been 10 years. I still have one of the strongest French accent people ever heard. It starts to get a joke all the time I move somewhere. But no, I mean, it's like you, yeah, just carry on, you know, like drink some beers if you have to, but carry on, speak. And I think that's the best. Like, luckily for me, in this first flat share, where I was, like, you know, we were like always having dinners together, drinking beers together, singing and stuff. So that helps a lot, you know. It's like you need to be in that mood and not be stressed about your talking, because everything, I mean, most of the time it's actually super fine. I was reminded of something important yesterday, not related to language, but I can relate it to language. You know, nobody thinks about you as much as you think they do. So they're just thinking about getting through the conversation on their end, and they've got things going on in their head. So yeah, just focus on conversing and getting your point across. Se faire comprendre, which I say a lot on this channel. And yeah, so you mentioned your accent, one of the strongest French accent you've ever heard. So like, yeah, you do have a very pronounced French accent. Like, I know a lot of people think that they're very sensitive about their accent when they speak a foreign language. Has that ever affected you, and like and or does it still, and like, and your self-confidence? I mean, it does affect sometimes when I speak to people that are not from London, or, you know, that are from different English speaking countries. They cannot understand me straight away because it's farther away from France, for example. They're not used to the accent as much. But luckily for me, I have other French friends that have kind of the same accent, so I'm not alone in that. So that's fine. But yeah, I think like a lot of people told me as well that they cannot like it. You know, they told me like, no, keep it. You know, keep it. We can understand you. It's fine. It's funny. It's good to keep it. And to be honest, anyway, I don't have the choice. I can't do it. Like, I can't do the impossible. So it's like, yeah.
that's it. That's who it will be. I like what you said about being told to keep it. It's part of your identity. And also, I think that because it's not an uncommon accent to have, you know, a lot of French people around the world speak English, and we know when we hear a French accent. So just think about that when you're speaking French, and how much does it really matter? And actually, it might be seen as cute or cool that you have a foreign accent. It makes people curious. If you're not being understood, you should probably think about correcting your pronunciation of certain things. Make yourself understood. That's the most important. Okay. So just to finish off, if I could ask you, I asked you in advance, so you shouldn't be too surprised. What is one word or expression that you really like in English? I know you have a very, very good vocabulary. I've heard lots of different expressions from you over the last few days. And maybe one French one that you think we should know or appreciate. So after saying that, I think you'll be a bit disappointed, but it's fine. Like one expression that I like that makes me laugh, because we used to say it a lot with these friends, is like bel end. I wanted to see your face, like I wanted to see the surprise on your face. But I didn't expect. I know, but it's like, that's why I asked you what I'm allowed to say, because yeah, I mean, it was so fun, right? It's just like I found it so fun and so, you know, precise, going to the point, and it's like, it's just like, oh, you bel end, and it works, you know. It's just like cool. So in French, the word is gland, like you know, like the tree, the gland from the tree. Mm-hmm. Yeah. You know what it is? Okay. And so because of the shape and stuff, and so that's what we say. So, and it has the same meaning. Like if you say to someone, "T'es un gland," it means literally you're a bel end. And you know, it's as funny, actually. It's just like it's something you say between friends. It's something you can even say, you know, at work or stuff. And it's funny. Thing to say. Super. Bon, je m'attendais pas à entendre ça sur ma chaîne, mais c'est super. C'est Damien, ses expressions préférées, et donc je pense que c'est bien de le de comment dire ça en français, d'entendre ton français non censuré, non censored, bien sûr, ouais, pur, naturel, voilà. Excellent. Bon, merci beaucoup. Pas de souci, Alex. D'avoir accepté mon invitation, j'espère que vous, tout le monde, vous avez appris plein de choses que vous pouvez appliquer à votre français, soit en nous écoutant en français, soit en nous écoutant en anglais. Et ouais, pour l'instant, c'est tout. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Voilà, so that was my chat with Damien. Damien, if you would like to learn more about him and his work, check out some links that I've put down in the description below, including a little fun project if you're an Android phone user that could support him. So thank you very much for watching, and I'll see you in the next video. Ciao.